C'était le 31 juillet dernier, à l'Opéra Berlioz de Montpellier, le carnaval romain d'Hector Berlioz, qui servait également d'ouverture au concert de la soprano Nathalie Dessé et du ténor Jonas Kaufmann. Les voici, qui entrent sur scène tous les deux, respectivement Manon et Desgrieux, dans Manon de Massenet. On va entendre deux extraits de l'acte 3. Premier tableau, Manon seule d'abord, qui fait une entrée remarquée au cours La Reine, insouciante, joyeuse dans sa gavotte. Et puis, au tableau suivant, Manon rejointe par Desgrieux à Saint-Sulpice. Les retrouvailles sont orageuses entre les amants et le duo qui en résulte est un des plus passionnés de tout le répertoire français. Le livret de Manon de Massenet et d'Henri Meillac et de Philippe Gilles, d'après l'abbé Prévost. L'ouvrage a été créé à Paris à l'Opéra Comique en 1884. Nathalie Dessé, Manon, Jonas Kaufmann, Desgrieux, l'Orchestre National de Montpellier, Languedoc-Roussillon, dirigé par Michael Schoenwandt.
Jour et l'amour, l'amour.
fille de Manon. Si je me repentais. Ah, perfide, perfide. Ce que tu n'aurais pas de pitié. Je ne veux pas vous croire. Moi, vous êtes sorti enfin de ma mémoire. Ainsi que de mon cœur. Hélas, hélas, l'oiseau qui fait ce qu'il croit à l'esclavage. Oh,
Un duo de Saint-Sulpice survolté, un extrait du troisième acte de Manon de Massenet, précédé de l'air du cours La Reine, c'était Nathalie Dessay et Jonas Kaufmann, le 31 juillet 2008, à Montpellier, l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Michael Schoenwandt. Au-delà de leur qualité vocale, Nathalie Dessay et Jonas Kaufmann ont en commun une très grande musicalité et puis cet engagement fiévreux à la scène qui devrait faire des étoiles dans quelques semaines puisque tous les deux vont se retrouver dans Manon de Massenet, mise en scène par David McVicar. Il faudra aller assez loin puisque ça se passera sur la scène de l'Opéra de Hidalgo du 27 septembre au 31 octobre, 11 représentations. Avant de retrouver Jonas Kaufmann seul cette fois, eh bien l'orchestre a accordé une pause aux deux chanteurs, le temps de cet interlude très lyrique tiré d'un opéra de Franz Schmidt. Franz Schmidt est né en 1874 et mort en 1939, c'est un compositeur autrichien, brahmsien dans l'âme, vous allez l'entendre, mais le temps de cet opéra nous est resté en France, puisqu'il est tiré de Victor Hugo, c'est un extrait de Notre-Dame. Thank you.
un interlude de Notre-Dame de Franz Schmidt, un opéra inspiré de Victor Hugo sur un livret de Schmidt qui fut créé à Vienne en 1914. Schmidt est aussi l'auteur d'un oratorio assez démesuré, le livre aux sept sauts, achevé en 1938, un an avant sa mort. Le concert se poursuivait par une intervention du ténor Jonas Kaufmann seul, l'air de la fleur de Don José au deuxième acte de Carmen de Bizet. Don José et Carmen sont face à face, elle l'accuse de ne pas l'aimer, lui, blessé, répond qu'il a gardé en prison la fleur séchée que Carmen lui avait jetée. Jonas Kaufmann, la fleur que tu m'avais jetée. Dire, à te détester.
La fleur que tu m'avais jetée, romance de Don José au deuxième acte de Carmen, livré d'Henri Meillac et Ludovic Alivi d'après Mérimée, c'était Jonas Kaufmann, ténor, le 31 juillet dernier, à l'Opéra de Montpellier, l'Orchestre National de Montpellier, Languedoc-Roussillon, dirigé par Michael Schoenwandt. Sachez que Jonas Kaufmann chante Don José depuis quelques saisons maintenant. Il l'a abordé au Covent Garden en décembre 2006 avec Anna Caterina Antonacci. Et il l'a repris tout récemment à Zurich avec Veselina Kazarova. Juste quelques informations biographiques. Jonas Kaufmann est né en 1969 à Munich et il a fait ses premiers pas sur scène à l'âge de 23 ans dans Brigella d'Ariane Anaxos de Strauss. Voici tout de suite rejoint par Nathalie Dessert avec en clôture de la première partie de leur concert le duo du quatrième acte de Roméo et Juliette de Gounod. Roméo a tué Tybalt, il est contraint de quitter Vérone. C'est sa dernière nuit d'amour avec Juliette, nuit d'Hyménée. Juliette, Nathalie Dessay, Roméo, Jonas Kaufmann. Thank you.
Oh,
Le duo dit de l'Alouette, le plus ardent peut-être des quatre duos que Gounod écrit pour Roméo et Juliette au quatrième acte de son opéra. C'était Nathalie Dessay et Jonas Kaufmann le 31 juillet dernier au Festival de Montpellier. Je rappelle que le livret de Roméo et Juliette est de Jules Barbier et Michel Carré, d'après Shakespeare, et que l'opéra a été créé à Paris, au Théâtre Lyrique, le 27 avril 1867. Nathalie Dessay, elle a déjà chanté Juliette, en 2005 et 2006 au Métropolitain de New York. Jonas Kaufmann lui abordera le rôle de Roméo l'année prochaine, en février 2009, à la Fenice de Venise. C'est à ce moment-là, durant le concert, qu'intervenait l'entracte. Je vous dis que la première partie était essentiellement française, la deuxième partie italienne, j'aurais dû dire presque italienne. Thank you.
C'est à la suite d'un voyage en Espagne et aux souvenirs éblouissants qu'il en rapporte qu'Emmanuel Chabrier compose cette rhapsodie créée en 1883, Espagna, indiquée Allegro con fuoco, et c'était bien sûr l'Orchestre National de Montpellier, Languedoc-Roussillon, dirigé par Miguel Schoenwandt, qui accompagne Nathalie Dessay et Jonas Kaufmann durant ce concert, enregistré, je vous le rappelle, en clôture du Festival de Montpellier le 31 juillet. Sans transition, donc, changement d'atmosphère assez radical avec le retour de Jonas Kaufmann dans un personnage qu'il a abordé tout récemment à la scène, c'était en mai dernier au Covent Garden de Londres, Mario Cavaradossi dans Tosca de Puccini. Voici le lamento du troisième acte, El Lucevan delle Stelle, durant lequel Mario attend son exécution sur la terrasse du château Saint-Ange à Rome, tout en se rappelant son bonheur passé avec Tosca. Thank you.
Jonas Kaufmann dans le Lamento de Cavaradossi dans Tosca, au troisième acte de Tosca de Puccini. Jonas Kaufmann, ténor allemand, qui apporte un goût et une tenue dans cet air, dans ce répertoire, comme s'il trouvait toujours, par son très grand respect du texte littéraire et musical, la couleur vocale adéquate, que ce soit dans le répertoire français, italien, allemand, il va sans dire. C'est un rôle qu'il a à son répertoire depuis quelques mois, donc, et c'était, je vous le rappelle, le 31 juillet à Montpellier. L'atmosphère qui suit est assez sombre, elle aussi, assez mélancolique. C'est celle du Nocturne pour orchestre opus 70 numéro 1, d'un compatriote et contemporain de Puccini d'ailleurs. Si ce n'est que lui n'a jamais écrit aucun opéra, c'est un des rares Italiens de cette génération à ne pas avoir succombé à l'opéra. Il s'appelle Giuseppe Martucci. Thank you.
Le Nocturne pour orchestre opus 70 numéro 1 de Martucci, compositeur décédé en 1909, qui se sentait beaucoup plus proche des Allemands que de ses contemporains véristes. Il était pianiste, chef d'orchestre, Martucci. Il a beaucoup fait en Italie pour y introduire la musique de Richard Wagner. Et il a notamment été le professeur d'Ottorino Respighi. La soirée de C. Kaufmann se terminait par Verdi, avec Verdi. Et tout d'abord, Wagner, avec la Traviata. Alfredo, c'est un personnage que Kaufmann a beaucoup chanté à la scène. Nathalie de C., elle, chantera l'année prochaine, Violetta sur scène. Elle en enregistrait des extraits, elle le chante en concert, mais à l'Opéra de Santa Fe l'été prochain, elle sera Violetta pour la première fois à la scène avant de reprendre le rôle au Festival d'Aix-en-Provence. Voici Violetta au premier acte de l'Opéra de Verdi. Violetta, émue par la sincérité et l'ardeur de ce jeune Alfredo qui semble tenir à elle, puis Violetta seule qui rêve d'un amour partagé avant de le rejeter comme une folie. Jonas Kaufmann, Nathalie Dessé, premier acte de la Traviata de Verdi. Thank you.
Thank you.
La finale de Violetta au premier acte de La Traviata de Verdi, livret de Piave, Traviata créée à la Fenice de Venise en 1853. Et c'était Nathalie Dessay, soprano, bien sûr, le 31 juillet dernier au Festival de Montpellier. Avant de retrouver le dernier duo de ce soir consacré à Rigoletto,
on va faire... Enfin, l'orchestre faisait plutôt une dernière pause orchestrale, une page qui nous fait rester chez Verdi, une page assez rare d'Otello. Rare parce qu'elle n'a pas grand intérêt dramatique, disons. Elle a été composée spécialement par Verdi lorsqu'Otello a fait son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris. C'était le 12 janvier 1894. Un bon petit ballet dans ma manière, écrit Verdi à propos de son ballet. Il est constitué de 7 brefs mouvements. Allegro vivace, canzone araba, invocazione di Allah, canzone greca, danza, la muranese e canto guerriero. Thank you.
un bon petit ballet dans ma manière. C'était ce qu'écrivait Verdi à propos de ce ballet, ce petit ballet écrit pour l'Opéra de Paris en 1894, pour Otello de Verdi, donc, et une œuvre qui n'est jamais jouée, donc, puisqu'on représente Otello sans ballet. On va terminer avec Jonas Kaufmann et Nathalie Dessay, revenir au jeune Verdi, au Verdi dit de la trilogie populaire. 2 ans avant la Traviata, c'est Rigoletto qui voit le jour à la Fenice en 1851, déjà sur un livret de Piave. Et on va entendre le duo de Gilda et du duc de Mantoue au premier acte. Gilda, fille de Rigoletto, est rejointe par cet inconnu qu'elle aime et qui se présente comme un étudiant, Gualtier Malde, dit-il, mais c'était en réalité le duc de Mantoue. Voilà ce duo ravissant qui se termine par cette série précipitée d'addio, addio. El sol dell'anima, la vittoria amore, l'amour et la vie, le soleil de l'âme. Gilda, Nathalie Dessay, le duc de Mantoue, Jonas Kaufmann.
Nathalie Dessay, Gilda, Jonas Kaufmann, le duc de Mantoue, le duo du premier acte de Rigoletto de Verdi, qui était censé terminer ce concert donné le 31 juillet dernier au Festival de Montpellier, mais il y avait un bis, vous allez le reconnaître tout de suite, c'est un retour à la Traviata et c'est le Brindisi. Amore, amore.
Voilà, c'est par le brindisi du premier acte de la Traviata de Verdi, Alfredo Janos Kaufmann, Violetta Nathalie Dessé, que se terminait le récital des deux artistes. L'orchestre, je vous le rappelle, était celui national de Montpellier-Languedoc-Roussillon, dirigé par Michael Schoenwandt. Ce que vous entendez, ce sont les